Ouais, poisson. Il y est. Je suis à nouveau sur la route et cette fois-ci, je traverse la France et bien pour venir découvrir une nouvelle région, celle autour de la ville de Saumur et pour pêcher enfin ce fleuve mythique qu'est la Loire. Alors le fleuve, il traverse tout simplement la ville de Saumur, magnifique ville avec beaucoup de spécialités et surtout, ce qui m'a frappé, un magnifique château qui surplombe le fleuve et qui donne tout de suite l'ambiance et le ton de la future session de pêche. Mais avant ça, passage obligé au magasin HD Pêche, où Jordan, le gérant, et Aurélien m'attendent. Ils vont m'accompagner lors de la session du lendemain, et j'ai beaucoup d'espoir parce qu'ils connaissent bien la rivière. Après avoir fait un super tour du magasin, avec énormément de produits, et avoir craqué un petit peu, je vous l'avoue, eh bien, Jordan m'avait préparé une petite sélection de leurres qui sont parfaitement adaptées à la pêche sur ce fleuve. Alors, on a beaucoup parlé aussi de la Loire, ce fleuve que je ne connais pas, qui est très particulier. Beaucoup de courant, peu de fond, un fond sablonneux et des espèces que je ne connais pas et que j'aimerais bien attraper comme l'aspe. On tentera aussi bien entendu le silure qui fait la réputation de ce fleuve et puis on s'amusera, c'est le principal. Il est déjà temps de rentrer, d'aller manger un petit peu et de se préparer pour la session du lendemain matin. La pêche va se faire avec deux bateaux, celui d'Armel, sur lequel je vais monter, et celui de Patrice. Tous les deux sont vice-présidents de la PPMA locale, donc autant dire qu'ils connaissent bien la rivière, et surtout exactement où il faut naviguer pour pas rester bloqué dans les bancs de sable, et ça je dois dire que c'est assez rassurant. Pêche vite, pas vite, tu fais quoi alors? Dis-moi tout. Tu lances, tu ramènes. Et je ramène pas plus vite que ça. Ouais, tu le fais. Oh, juste devant. Ça. Poisson. Poisson, voilà. C'est gros? Non. C'est un aspe? Oh, c'est une perche. Oui. Une toute petite. Ça va quand même. De bon matin. Premier poisson de bon matin. Tu vas dire direct. Yes. Petit poisson. Poum. Ce bateau n'est pas capot. Un bateau. Ah merde. Merde. Allez, oh là là, big fish les amis. Décroche en plus. Tu vois. À mépriser les poissons. Rien encore. Ouh, c'est plus joli. Ouais, tu crois? Ouh. Ah yes. Non, c'est une perche. Non, c'est un petit aschub, non? C'est un chub. Ah, mais purée, je suis abonné au cheven. Je suis là pour faire des aspes. Je fais du cheven. Bon, il m'a mis une belle attaque parce que juste avant, la perchounette, c'était pas ouf.
Voilà. Hein? Premier poisson de Loire. Eh ben c'est un chevesne. Ah ouais, c'est un peu gros. Faut ce qu'il faut. Allez, repart dans l'eau. T'es pas un aspe. Ça compte pas. T'as pas grand chose de toucher devant. Hein. Peut peut-être le remonter un chouïa. Oh, ça va, ouais, ça passe. Hein? Bon, je te laisse faire alors, pas de soucis. Si t'as l'habitude. Oh, ça suit derrière. Poisson. C'est un chub, ouais. Ah, les chuchus, ça me connaît. Hein. Non, c'est une perche, non? Ouais, c'est une petite perche. Et elle s'est piquée sur le dessus, cette couille. Elle l'a voulu, mais. Non, mais calme-toi, calme-toi. Tu vas repartir, tu vas repartir. Fais des salopes, faire des misères là-bas. Allez, bon, allez, bon. Voilà. Ça fait un second poisson en surface. Allez. La pêche est globalement difficile. Alors sur notre bateau, on a rentré quelques petits poissons. Et sur le bateau de Patrice et Aurélien, également quelques perches, histoire de faire de la touche, histoire de pas être capot comme on dit, sous le regard du magnifique château de Saumur. Mais bon, le plaisir est là, le plaisir d'être sur l'eau, avec une météo enfin clémente après la canicule. Mais bon, toujours pas de poissons, donc on alterne les techniques. En l'occurrence, je sors tour à tour la canne à silure, la canne un petit peu plus pour pêcher l'aspe. Mais bon, ça reste globalement très difficile. Jordan décide aussi de pêcher le silure au vif, une technique qui marche bien sur cette rivière, sur ce fleuve. Et avec le rotangle qu'il a attrapé un petit peu plus tôt au micro-jig, eh bien, il a un joli départ. Mais malgré tout, le silure a été plus malin et ça fait toujours aucun silure au bateau. Alors on perd pas espoir, il est temps quand même d'adapter la stratégie. Donc on va redescendre un petit peu la rivière, aller voir un petit peu plus bas ce qui s'y cache. On sort un petit peu de la ville, de l'agitation, pour gagner une Loire assez sauvage et plutôt magnifique, je dois dire. Waouh, c'est quoi? Non, c'est un énorme chevesne ça. Wouah! Ah, ouais, là t'es bon pour l'épisode, toi. Ah, il est joli en plus. Oh, il est beau! Ouais. Ah, il est pas content, hein, sa tête de méchant. Ouais. Ouais. Ah, il est pas content. Wouah! Bah oui, il est beau! Elle est costaud, hein. Yes. Ouais, ouais, ça. Poisson. Oh, bien. Oh, c'est petit. C'est tout petit. Voilà, la petite perche. Bon, allez, c'est un poisson dans le courant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce
contente de ce qu'on attrape. Tac. Voilà. On les file. Hop là, excuse-moi moteur. Poisson. Ouais. Oh, ton premier acte quand même. Non. Si. Non. C'est un chuchu les gars ça. C'est un acte. Ah bah non. Un hautu. C'est un hautu. C'est ni l'un ni l'autre. C'est un hautu. T'es mal hautu. Oh il est pas beau. J'ai fait un hautu. Et ben voilà, un au-dessus. Il a un... Ouais, au casting jig. Il a un truc chelou sur la bouche, lui. Ouais. Tu vas finir avec... Ah ben voilà, nickel. J'étais en train de le menacer qu'il allait finir avec un triple dans le dos et un sam dans la bouche. Et il a changé d'avis. Il s'est mis à coopérer. Ça se tente. Je me gare au bord. Comme tu le sens, capitaine. Ouais, tout ce que tu peux dire. Poisson. Sérieux? Poisson. Non, c'est une blague. Oh, décroché. Poisson, mon gars. Oh, je croyais que tu faisais une blague. Rien, mon gars. Ah bah oui, t'as que... Ah, c'est cadeau. Regarde. Ah, il reste que la bavette. Montre, vas-y. Bon, il reste que ça du leurre. Oh, je le pique direct, mon gars. Un lancer. Au bon endroit. Purée. Un lancer au bon endroit. Oh putain. Non, mais ça vient, mais je sais pas ce que c'est. J'ai accroché un pneu ou je sais pas quoi. Une planche. Ah bon. Et voilà, elle est là la bûche. Voilà, merci Fifi, casse-toi. Après un leurre explosé et un faux espoir avec une grosse bûche, on continue de naviguer sur cette magnifique Loire à la recherche des derniers poissons de la session qui sont malheureusement petits. Trop petits, on n'a pas trouvé les gros aujourd'hui et en ce qui me concerne, j'ai toujours pas fait mon premier aspe. Mais c'est comme ça, même si c'est frustrant quand on connaît la densité et la qualité des poissons de la Loire. Mais bon, il faut se rendre à l'évidence et en l'occurrence, je range mon petit leurre fétiche pour ressortir une énième fois ma grosse canne à sciure et essayer de faire un dernier gros poisson. En vain, il faut se rendre à l'évidence, les gros poissons nous boudent et j'espère qu'ils seront bien plus joueurs lors du challenge carnassier organisé par la PPMA locale les 3 et 4 septembre 2022 pour la 10e année consécutive. Et en ce qui me concerne, le rendez-vous est pris pour revenir prendre une revanche en Loire, faire des jolis poissons, mon premier aspe pourquoi pas, et passer une nouvelle fois un bon moment avec tous les copains. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, puis surtout d'ici là, pêchez bien, ciao.